Vouloir nous faire croire que nos amis sont nos ennemis est contraire aux intérêts du Mali et des Maliens, est contraire aux intérêts des femmes qui se battent pour que nous soyons libres. Cela, je dois vous le dire, et cela m'inquiète. Tout cela qui tient des discours de ce genre-là sont des ennemis du Mali, sont des ennemis des femmes. Ils ont beau crier après, on soutient les femmes, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Il voudrait que nos enfants soient jetés en pâture devant des forces hostiles, lourdement armées, équipées, avec l'argent de la drogue, avec l'argent également de quelques pays complices qui viennent les aider dans cette sale besogne. C'est ça la réalité. Je ne veux pas trahir ce pays-là. Donc, tenir des discours démagogiques du genre, oui, tout Français doit partir, ils vont partir. Toi, tu vas aller aider les femmes dans les renseignements avec les drones. C'est toi qui vas le faire? Non. Soyons sérieux. Je soutiens les femmes, j'aime les femmes. Ah, c'est dans l'acte. Aujourd'hui, le Barkhane aide femmes. Aujourd'hui, Barkhane apporte de l'eau à Boulikissi. Nous avons fait des forages infructueux. C'est des convois de nourriats d'hélicoptères qui ravitaillent Boulikissi. Et l'on voudrait que je mise fin à cela pour le plaisir de m'engager de qui que ce soit. Quelqu'un? Jamais.